télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort. Dans l'éléphant coûte cher, donc vous prenez ça au sérieux. Vendredi 7 juin 2024, jour de match Côte d'Ivoire-Gabon. Le programme de nos éléphants est le suivant. À 9h, petit déjeuner. À 10h30, soins pour certains joueurs qui auraient des bobos. À midi, séance vidéo du staff technique et tout le groupe. À 12h30, déjeuner. À 16h, petite causerie de veille de match. Et à 16h50, départ pour le stade AGC pour la rencontre. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Nous sommes mobilisés. Rien ne peut nous arrêter. Va pour Chanel. Si tu soulèves pas ton épaule pour faire le malin, personne ne va venir soulever ça pour toi. Je suis motivé, prêt pour le match et je pense que avoir de la pression c'est une chose normale. Du groupe, on ne pense pas avoir trop de pression quand jouer, on sait comment on doit jouer, ce qu'on doit faire, donc chacun va faire son, ce qu'il doit faire, quoi, son devoir. Wow, il est incroyable, on a découvert ça hier soir, toute l'équipe est venue dans le bus hier soir et franchement c'est un plaisir, en plus c'est ma première sélection. Avoir un bus comme ça, c'est un privilège, vraiment. Je sens bien, j'ai hâte d'y être. Et voilà, j'espère qu'on va faire un très grand match devant notre public, c'est important. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? On est carré. Beaucoup d'enthousiasme. On a envie d'en dégoûter là. Il dit mieux que nous, si pour des rêves. 92, on a Grigra, on a Pro Martial. 2015, oh, deuxième étoile. Et les passes portaient, ça chauffe pas, il ne faut pas dire. Cette année, c'est chez nous, en prison. On est en tas. Si tu veux, faut dribbler. Si tu veux, faut jongler. Mais on doit gagner à qui dit mieux. Serge Aurier, le Kadi. Sangare Ibrahim. Masgradel, le génie a grandi. Simon Adegra. Fais-nous plaisir. Il est 18h, l'équipe de Côte d'Ivoire est arrivée au stade Amadou Gon-Coulibaly. Sébastien Haller et ses coéquipiers sont dans le vestiaire en train de se préparer pour aller à l'échauffement. Ils sont pas contents, mais y'a que dedans, eh. Non, laisse ta jalousie, y'a rien dedans, eh. Dis-la, nous on cherche à gens, y'a que dedans, eh. Donc malais, beaucoup d'argent, champagne. Dans quelques instants, nous allons accueillir les joueurs
match Côte d'Ivoire-Gabon. Petite surprise pour les supporters congolais. Masgradel va sortir avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire. Masgradel, deux fois champion d'Afrique. J'ai porté ce maillot avec fierté parce que je vous aime tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Sur la pelouse, la magnifique pelouse du stade AGC de Korogo pour ce match de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On va suivre l'exécution des hymnes nationaux. Et voilà la patrie de la fraternité, la patrie. Kono et Singo. Et puis Kessié, Seri et Seko seront dans le milieu de terrain. Vont épauler Diakité, Ouma et Sébastien Aller. C'est le coup d'envoi qui vient d'être donné par les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Gabonais qui présentent également une équipe assez remaniée hein, par rapport à celle qui a évolué face au Burundi et au Kenya. Attention, ce long ballon pour Pierre-Emerick Aubameyang et la frappe sur le poteau. Mais quelle opportunité pour Pierre-Emerick Aubameyang. Première grosse alerte dans ce match. Et Vantika également. Attention, ce ballon. Odilon Kosolou qui n'a pas pu le rabattre ce ballon. Dika pour un autre centre. Ballon renvoyé. La défense gabonaise. Pas pour longtemps. Dika pour Fanga Dika. C'est Kofo Fana. La frappe est roulée. À croire que la première ici à Korogo sera une réussite pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Allez, c'est terminé. C'est terminé ici à Korogo. C'est important d'abord avec les 3 points. Et je suis content aussi pour faire mon début avec l'équipe nationale. C'était bien. Merci. C'était un bon match. Voilà, on a su gérer les moments difficiles qu'on a eu. Voilà, c'est aussi ça, une grande équipe. Il va falloir gérer ce genre de moments, chose qu'on a bien fait et on a marqué par la suite. Donc voilà, je suis fier des coéquipiers. Voilà, c'était un match pas parfait, mais il y avait des choses très positives. Donc il va falloir continuer sur cette atmosphère. Cette lignée, corriger au prochain match et puis essayer d'aller prendre les 3 points au Kenya.
Là, c'est le retour sur Abidjan pour le Malawi. Une génération sans trouver, une génération sacrifiée. Merci d'avoir choisi Air Côte d'Ivoire pour votre voyage. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Bon retour au Malawi. Lineho, Lineho, Uyo, Linelelo, Manamene, Manamante. Eh bien, c'est à 11h46 heure locale, soit 9h46 GMT, que l'avion transportant l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est arrivé à l'aéroport de Lilongwe au Malawi. Durant ces 6 heures de temps de vol, les joueurs ont pris le temps de se reposer, histoire d'entamer le processus de récupération avant les prochains entraînements de ces jours. Nous sommes le dimanche 9 juin 2024. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont passé leur première nuit au Malawi. L'équipe se porte très bien. C'est bien reposé. Là, on va manger et cet après-midi, on a une petite séance là, avec le groupe. Et voilà. C'est ça le programme de la journée. D'accord, mais comment vous avez vécu le voyage? C'était quand même un peu long. Ouais, c'était long. Je crois que c'était 5 ou 6 heures de vol. Franchement, c'est très long. Et quand on arrive, on s'est pas entraîné. Et on s'est reposé. Et après, aujourd'hui, entraînement. Ça va? Ça va? Ils sont bien. Bravo, aujourd'hui, entraînement. Et vous, comment vous sentez? Ça va, vraiment, on vous comprend aujourd'hui. Ça va, ça va un peu. Ah, okay. Parce que le voyage était long, pas facile. Comment tu as vécu le voyage? Comment tu as vécu le voyage? Comme tout le monde, on a essayé de regarder un petit film. Moi j'ai plutôt fait de la lecture, j'ai lu mon roman jusqu'à j'ai eu le sommeil, je me suis couché, j'ai dormi. Je dormais, je me réveille, jusqu'à ce qu'on soit arrivé. Et la récupération, ça va? Ouais, on a une séance de récupération hier, on a eu des soins. Mais ça va, on a bien récupéré le corps parce que ça a été long. Hier toute la soirée, on a eu récupération. Jusqu'aujourd'hui, la séance c'est dans la soirée. Donc je pense que chacun a récupéré. Je pense que les gens sont habitués à jouer deux matchs par semaine, donc ça va. Kouma, t'as dit quoi? Tu as pu récupérer un peu? Comment tu as trouvé le voyage? Difficile, long. C'était très long. En plus, après ce jour de match, on était très fatigué. Du coup, ça fait une double fatigue, on va dire. Mais ça va, on récupère tranquillement. Moi, personnellement, ça va. Hein. J'ai beaucoup récupéré, donc on verra ce soir à l'entraînement si ça va bien. Et vous avez quoi comme programme à la suite? Je crois qu'on a des soins et on a l'entraînement à 17h, je crois. C'est tout, hein. Mais pour la séance, je ne sais pas ce que les coachs vont nous concocter. On verra ça là-bas. Gracias.
Il est monté, on doit prier. Tu vas dans les îles à l'enfoiré, d'ailleurs, ma tour, y aller, voilà, dehors. C'est un peu bizarre, mais ça va, ça a adapté vite fait. Okay. Ça va. Là, on va s'entraîner pour bien préparer le match de mardi. Mais c'est pas la main qui a le ballon. Pas parler, hein, mettez bon. La ligne. C'est bon. Eh là, coach. Non. Mais on va mettre la ligne. Quitte là. Yeah. Oh. Quitte. 17h heure locale, 15h heure d'Abidjan, nous sommes au Silva Stadium pour le premier entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire qui se déroule sous une température de 19 degrés Celsius. L'équipe est au grand complet. Merci beaucoup, tu dis devant les gens. Surtout devant les gens. Je suis dans la misère. J'ai vendu des bandes de bouffées. C'est-à-dire, je suis ton idole. Pourquoi tu veux cacher aux gens? Pourquoi tu veux cacher aux gens? Les gens savent quand tu chantes, ça a parti de moi, je t'inspire. Pourquoi tu veux m'en dire aux gens? Je suis content. Si tu as cœur, alors mélodie. DJ. Votre pas la nation, il est mélodieux, non? Il a pu jusqu'à nous, mais va se demander si c'est Yoroka chanté ici. Et la fanatique de la Yoroka, appréciez la mélodie de l'espace vert. Mélo, mélo. Après la première sieste d'entraînement en Thermal à 8, l'équipe nationale est en mode détente ce soir. C'est la deuxième séquence bisoutage des éléphants. Quoi? Devenir le président du pays. Là, t'es à quoi? Moi. Et toi, le président du pays.
T'es mal placé qui ici là? Moi. Non, non, et toi. Il a pas été à l'esprit d'un mec, j'ai le ballon. C'est la vie, toi. Un petit mot avant de commencer, parce que tout le monde m'entend. Je voulais féliciter les médecins, l'intendance, les dirigeants, vous les joueurs pour la victoire d'hier, tout le travail fourni, c'est important. Ensuite, remercier les maires, Guy, Alain, sur le président, pour avoir sollicité pour rejoindre ce projet. Je crois que c'est un projet commun à tous, pour aller le plus loin possible. On a fait une première étape hier, step by step, pour bien terminer et brancher. Voilà. Le nom Gérard Nyon Amoukou Okosias. Gérard Nyon Amoukou Okosias. Donne-nous au coach. Adzopé. Merci, même. Neba Wesh. Hein? Neba Wesh. Question. Ok, mon coach. Vous voulez danser ce qu'elles sont? Oui, Mado. La Nyawa, est-ce que vous êtes prêts?
T'as dit quoi? Vas-y, de venir défendre le club pour la club. Toi, tu as dit quoi? Je suis venu. Je suis venu. Le coach dit, il dit, prends pas d'aller. Non, mais match, ça. Pour lui même, ça va. Pas de mal. Non, tranquille. Non, mais chapeau. Les gars, on va commencer à couler la tombe. On va commencer le temps, continuez. Coup du mado. Il est commencé à coup du mado. Lundi 10 juin 2024, nous sommes à la veille de match Kenya-Côte d'Ivoire, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Les éléphants ont un programme chargé. Hormis l'entraînement du jour, il y aura une séance soin pour tous les joueurs qui traîneraient des bobos. Ajouté à cela, la conférence d'Emers Faye, le sélectionneur des champions d'Afrique, est accompagné de Lazare Amani, le milieu de terrain de Saint-Gilloise. Tu veux faire ça quand? Bah là justement là. Il y a donc ce lancement de la fondation là. Ouais. Mercredi soir. Donc ceux qui sont là. Après l'entraînement. Qui veulent venir? Il n'y a pas d'âge. Lui il va venir normalement. Toi si t'es là.
Soit t'as avec plaisir, mais j'enchaîne déjà. Non, mais moi, tranquille. Il arrive, il a joué. Non. La fondation, non, lui. Mais tu es bizarre, tout le monde dit à Dengue est timide. Non. Tout le monde dit à Dengue. Ça va être Messi là. Tu vas pas laisser, tu vas aller dormir. Donc ça va être Messi là. Elle est timide où? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Tout le monde. Non, il n'est pas timide. Il est pas timide. Non, il fait bruit là où il doit faire bruit, tu vois. Mais tu sais, comment toi tu fais tes bruits? Il fait bruit, il y a les coins. Ici, il va faire bruit, tu vois, il fait chaud, tu vois. Il fait chaud. Quand tu passes le terrain, comment tu profites de ton temps en fait? C'est au calme, tranquille. Tu fais quoi? Tu écoutes la musique? Ouais, écoute la musique. Fais appel. Tu danses et aussi? Non, mais c'est pas danser. Tu es un bon danseur? Non, ça va moi. D'accord. Bon, une dernière chose. Actuellement, quel est l'état d'esprit du groupe? Bon, actuellement, j'ai essayé pour les 3 points. Tu en as gagné le premier match. Donc, voilà. On est ici pour prendre l'avance sur les Gabon. Tu vois, si on a gagné ce match-là, on prend de l'avance. D'accord. Donc, c'est ça, l'état d'esprit, c'est les 3 points. D'accord, tu penses quoi des adversaires du Kenya? Bah, c'est une bonne équipe. On a regardé, on a vu les vidéos et voilà. C'est à nous maintenant de pouvoir s'organiser. Tout dépend de nous, en fait. Voilà. Le changement du climat, parce qu'on vient d'Abidjan, il faisait un peu chaud, on arrive ici, la fraîcheur. Ouais. Comment vous le climat, mais voilà, on s'adapte. Hein. On doit s'adapter et tout. D'accord. Donc c'est bon, non? Un message à tes fans qui t'adorent, qui t'aiment beaucoup, parce que non, une petite photo d'Adengra seulement sur la toile, mais c'est la tuerie, honnêtement. Ouais, tu dis quoi à ton public? Je les aime aussi. En tout cas, ils sont vraiment contents. Quand tu vois ça sur les réseaux, tout ça, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc, on est ensemble. Nous, on cherche l'argent et à Dieu dedans. Dans ma lèvre. Ouais, ça se passe bien. On a eu, je pense, assez de temps pour se reposer, pour être frais pour le match. Ouais, on se plaint pas, hein. Franchement, à part qu'il fait froid. Sinon, ça va. Non, je pense que tout le monde s'est adapté facilement parce que c'est à peu près le même temps que l'Europe. Donc c'est pareil, il n'y a pas trop de changements. Voilà, donc je pense pas que ça doit être un problème. Peut-être qu'on est dans un pays autre, comme on le dit. Peut-être qu'on verra ce soir si on a des difficultés à respirer ou pas, parce que souvent ces jeunes pays-là, c'est un peu compliqué par rapport à l'altitude et tout. Donc on verra ce soir ce que ça va donner en vraiment. Voilà, franchement, le groupe vit bien, tout le monde est en joie, il y a la communication, il y a la familiarité, on ne peut pas rêver mieux. Mais je pense que ça s'est traduit sur le terrain, même quand on est en souffrance, cette solidarité-là fait que les efforts se font ensemble, du coup ça rend les choses un peu plus faciles. Mais ça commence déjà en dehors du terrain, franchement le groupe vit bien par rapport à ça. D'accord. Vous pensez quoi de l'adversaire, le Kenya? Ah, c'est une bonne équipe, on est dans une... on joue un match de qualification de Coupe du Monde. Toutes les équipes doivent être prises au sérieux. Donc c'est une bonne équipe. On a vu la vidéo tout à l'heure, ils ont un bon attaquant. Voilà, donc on les respecte, comme eux ils nous respectent. Et puis, voilà. D'accord. Aujourd'hui, il y a entraînement tout à l'heure. Mm-hmm. Il y a entraînement tout à l'heure. Après, il y a le dîner, il y a les soins, et puis le repos, quoi. D'accord. Et puis demain, on attaque le match. En force. Ouais. Ballon de gazon. Il y a un niveau. La préparation se passe bien. On est arrivé samedi. Je pense qu'on a bien fait de vite partir après le match de Korogo. Ça nous a permis d'arriver ici assez vite
On a passé la journée du samedi à bien récupérer. Hier, on a été faire une petite séance pour sortir un peu, s'aérer un peu la tête. Et aujourd'hui, on va bien rentrer dans la préparation du match pour être prêt et gagner le match de demain. Quand vous quittez le froid pour venir dans la chaleur, c'est plus compliqué de s'adapter. Mais dans l'autre sens encore, ça va. Donc on va gérer. Après, ce sont des grands professionnels qui jouent quasiment tous en Europe, donc qui ont l'habitude d'avoir des périodes où il fait chaud et des périodes où il fait un peu plus froid. Donc ça, ils ont l'habitude, on n'aura pas de problème sur ce point-là. Et comme je l'ai dit, hein, avec l'état d'esprit qu'ils ont depuis le début du stage, je pense que ça, c'est un problème qu'ils vont savoir gérer. Moi, je suis là, je fais ce qu'on me demande de faire. Voilà, quand j'ai du temps de jeu, j'essaie de donner le maximum. Voilà, quand on a vu la dernière CAN, comment ça s'est passé. Je pense que chaque match, il faut jouer avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour l'adversaire. Et je pense que demain, c'est ce qu'on a fait. Kuno kurirongwe ifeye dimagonda ifole kosti ifeda kwela ifole kosti ifole kosti. Nous sommes le mardi 11 juin 2024, jour de match Kenya Côte d'Ivoire. Le programme de nos éléphants est le suivant: 11h déjeuner, 12h30 petite causerie d'avant-match entre le staff technique et les joueurs, 12h50 départ pour le stade, ensuite à 15h début de la rencontre. Les Ivoiriens sont debout, rien ne peut nous arrêter. Anne-Marie, c'est bon, on a nos badges pour le match. Oui, vous avez. Pourquoi prendre traduction en anglais? Ok. Fallait d'accord parler français, quel fini par la français. Ok. Donc, bon. Voilà, bon, Vécho, voici ton badge hein, pour le match. Tiens-le. Rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêts. Et là, c'est l'instant de la petite causerie entre les joueurs et le staff technique. Moment extrêmement confidentiel entre le groupe. Et bien, on n'a pas le droit d'y être. Aucune caméra ne peut être présente. Et donc, nous, on va attendre patiemment. Les Ivoiriens sont debout. Rien ne peut nous arrêter. Les dernières 20-30 premières minutes, il faut être là. Il faut être présent. Si tu peux marquer, tu marques. Mais après, c'est piégé. Des genres de matchs où le plus fort, soi-disant plus fort, je compte, soit le plus faible. Et là, si tu prends un but au début, tu te crées tous les problèmes. Mais bon, écoute, on va te faire beau. Ils sont là. Vous vous mobilisez. Rien ne veut nous arrêter. Va pour Chanel. Veux-tu raison, gars du Nord. Lui a tel un meilleur. On est déjà prêts, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas non, on va jouer. Rien ne peut nous arrêter. Supporter, j'ai dit les deux mots. C'est vrai que les éléphants sont loin de la Côte d'Ivoire, mais sachez qu'ils ne sont pas seuls. Il y a la délégation du ministère des Sports qui les a accompagnés, mais il y a aussi quelques supporters congolais qui sont là pour supporter, pour soutenir notre équipe nationale. Et justement, on va recueillir leurs avis avant le début de la rencontre. Les éléphants sont dans un élan de victoire. Après avoir éliminé l'équipe Seychelles 9-0, ensuite la Gambie 2-0, et la semaine dernière, le Gabon 1-0. Nous souhaitons que le match de ce jour soit dans le même élan. Nous, les Congolais, avec la Côte d'Ivoire, c'est juste une famille. C'est une famille. Aujourd'hui, je suis content parce que de voir l'équipe nationale d'être ici au Malawi. Je suis tellement ravi. Ma première réaction est celle de féliciter d'abord d'emblée l'équipe championne d'Afrique. Et je dirais à Kwaba. L'équipe de la Côte d'Ivoire ici au Malawi. Je suis très très content. Et je pense que ce match
nous allons l'emporter. Nous allons l'emporter à 3 buts à 0. Allez, les gars, allez, allez. Tenez le point, viens. Allez, les gars. Allez, c'est parti pour les 90 minutes entre le Kenya et la Côte d'Ivoire, match de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Banguessa pour Simon Adingra. Simon Adingra qui s'amène ce ballon. Salut, on entre la pavé, plutôt la transversale. Allez, c'est terminé pour cette rencontre entre le Kenya et la Côte d'Ivoire. Alors, coach, quelle considération vous apportez à ce nul? Un bon point pris ou bien un nul frustrant? Au regard de la domination que vous avez eue dans le match. C'est un peu frustrant, c'est vrai. On aurait préféré gagner. Mais quand on regarde les conditions, quand on regarde le terrain, quand on regarde le jeu et la tactique proposée par l'équipe adverse, on aurait aussi pu le perdre. Encore une fois, Yaya, il nous a fait les arrêts qu'il fallait. Mais c'est un bon point parce que c'était pas, les conditions c'était pas idéal, hein. Si ça avait été au pays, ça aurait été plus facile, hein, sur un bon terrain. Je pense qu'en première mi-temps on aurait dû moins jouer sur de longs ballons. On a fait beaucoup de longs ballons et comme ils sont assez athlétiques et ils nous attendaient sur ça, je pense qu'on les a un peu facilités dans leur tâche. On a essayé de jouer un peu plus dans les pieds en deuxième mi-temps, en utilisant plus la largeur et la qualité de percussion de Simon et de Jérémy. On est passé deux ou trois fois, ça aurait pu faire mouche. On aurait pu marquer sur ça, malheureusement, on a manqué d'efficacité. Mais bon, comme j'ai dit, dans l'ensemble, c'est un bon point. Les conditions n'étaient pas simples, hein, c'était pas évident. On a su quand même s'adapter. Dans les matchs comme ça, le plus important, quand on n'est pas capable de gagner, il ne faut pas perdre. C'est jamais facile de rentrer dans un nouveau groupe. Eux, ils sont rentrés, ils se sont bien intégrés, ils ont fait 10 bons jours à l'entraînement, ils ont montré vraiment des choses intéressantes. Après, ce soir, sur le match, ça a été un peu compliqué pour Latte. Malheureusement, on a joué contre une équipe qui nous attendait derrière, qui ne lui a pas laissé beaucoup d'espace, alors que c'est un joueur d'espace et de profondeur. Et Evan a fait une bonne rentrée. Il a apporté justement son physique et son gabarit et il les a un peu plus dérangés. Et Baba a fait une bonne rentrée aussi. Mais dans l'ensemble, on est content parce qu'ils ont fait un bon stage. Et comme j'ai dit, c'est pas facile de rentrer dans un groupe comme ça nouvellement avec la pression, avec la concurrence, mais ils ont montré vraiment des bonnes choses. Un point, c'est pas si mal. Faut regarder sur le bilan. Sur 12 points, on a voulu finir cette saison internationale, là, je vais appeler ça comme ça, jusqu'en juin, avec 12 points. Mais 10 points, c'est pas si mal. On va essayer maintenant de se reposer, aller en pré-saison et puis revenir si tu le veux en septembre. Une fois de plus, je vous félicite de votre stage. Pour vous féliciter du match aussi. C'était pas facile. Mais là, on s'est battu jusqu'au bout, on aurait pu le gagner. Donc, félicitations pour le match, parce que quand on n'est pas capable de gagner un match, il ne faut pas le perdre. Et c'est ce qu'on a fait. Ok. Donc on reste premier du groupe. 10 points sur 12. C'est bien. Toujours pas de but encaissé. Donc c'est bien aussi. Donc, félicitations pour ça. Ok. Maintenant, vous êtes en vacances, enfin. Profitez bien de vos amis, profitez bien de vos proches, vos enfants, vos femmes. Profitez-en, ok? Pour reprendre plus fort encore, parce que dès septembre, nous on reprend. Dès septembre, on est sur l'autre objectif. Il y avait la Coupe du Monde, là c'était la parenthèse Coupe du Monde. Septembre, octobre, novembre, qualification calme. Là on sera plus frais, ok? Là on sera plus frais. On pourra mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place. Ok, mais encore félicitations à tous, bon retour à tous. Parce que je sais qu'une fois qu'on arrivera à Abidjan, chacun ira de son côté. Et nous, on va continuer à vous suivre. Évidemment, on va continuer à regarder. Il y en a qui seront et qui sont en plein mercato. Donc bon courage à vous, prenez les bonnes décisions. Ok, allez,
là où vous avez le plus de chances de jouer. Ok ? De jouer régulièrement. Continuer à progresser, continuer à être bon. Et on se retrouve en septembre. Bonne vacances à tous. Merci Vaderoa, merci Père, nous t'avons prié, tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Amen. Quatre points pris sur 6 possibles. Les éléphants gardent la tête du groupe F avec 10 points. Eh bien, nous espérons que vous avez pris autant de plaisir que nous à vivre ce regroupement de l'intérieur. Voilà, c'est tout pour ce soir. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre Grand Doc. Excellente soirée à tous. Bye bye. Télécharge l'application Betclic et vis le foot plus fort.